Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 sur Horizon Zero Dawn. Et on va pas tarder à partir pour la fin du créateur. On va juste... Normalement, on peut les pirater ceux-là, non? Hop. Non. Voilà. Là, tu ne verras plus. Non, mais c'est incroyable comme il est résistant ce truc. Bon, là t'es bloqué, tu ne peux rien faire. Voilà. Allez. Incroyable ça. Bon, là ça devrait être bon. Voilà, big créature qui est là-bas dans la zone corrompue. Rien à voir ici. Voilà. On y va. C'est parti. On rejoint la fin du créateur. Bon, j'espère que c'est par là au moins. Ouais, ça va. Ok, donc il y a des étincelles. Il y en a celles qui vont me casser les couilles. Allez, run. C'est quoi ça? Créature Zeta, c'est quoi ça? Je ne veux pas faire ça. Hein. Aïe 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 aïe. Je sais pas c'est quoi ça. Ça m'annonce rien de bon. Ok, on a retrouvé la route. Allez, couvre. La fin du créateur. Je ne suis plus très loin. Olin dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire de Nora? Je ne comprends pas. Qui est cette femme? Elle s'appelle Elisabeth Sobek. Ah, toi, tu m'espionnes encore sur mon focus. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Tu continues sur l'action. Avancer, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voire davantage. Mais sois prudente.
La fin du créateur grouille de recrues Eclipse. On va passer très vite dans le fond, je crois. Je t'ai laissé du matériel devant les ruines. Ton focus t'indiquera exactement à quel endroit. Attention, n'effrayez pas la coureuse. Les prisonniers des bandits sont là. Ok, donc notre quête a été mise à jour. Mastodonde. Ok, donc c'est bien par là. Du calme. On s'en fout, on court. Ok, donc c'est une ruine antique. Bon. Pile là où il l'avait dit. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends! C'est pas vrai. Ok, très bien. Donc, on va changer, je crois, la bobine. Hop, arme. Sauf si on a déjà une bobine de feu. Arsenal, plutôt. On en a déjà une plus puissante. Donc intéressant, mais on a déjà plus puissant. Là, il y a un autre truc. Je vais les éviter pour l'instant. Des veilleurs corrompus qui servent de garde. L'Eclipse et des machines corrompues qui travaillent ensemble. Joli tableau. Hop, là en dessous, non? Ok, on est parti en mode infiltration. Alors, il faut que j'aille jusque... bas. Par où? La neige est glacée par ici. Pas mal, hein, mais... Je saurais quoi en faire. Elles sont où ces ruines? Ok, c'est ce qui me semblait, c'est tout là-bas. Bon. Je pense que par là, voilà, c'est pas possible. Il y en a deux. Mmh.
Ok, là il me voit pas. Ces sites de fouilles, ils sont immenses. Ok. L'éclipse, il avait raison. On va dire que c'est déjà ça au moins. Reste calme. Encore. Où on se casse, hein? C'était quoi ça? Ok, une machine en moins. Un mec en moins. Au final, la filtration qui se passe plus comme un gros rush, quoi, mais c'est pas grave ça. On veut déjà se guérir. Peu qu'on a pris. Oui, partez. Ils se sont évanouis, je vois rien. Les démons avant que le sol ne gèle à nouveau. Hop, dégage.
Hop, je prends tout. Bon, là au moins c'est sûr, il n'y a plus personne. Ça. Oula. Je sens qu'il y a une grosse machine. Toutes ces ruines, que pouvaient bien faire les anciens ici? Ça c'est fait. J'ai aussi armé une flèche. Tu ne vois pas. Là, il y a deux humains, trois humains. Trois veilleurs, je crois. Il y a un corrupteur. Ah, là, il y a encore un humain. Deux humains? Ok, donc il y a cinq humains. Lui, il a alerté là-bas au bout, mais... Ah ok, c'est un sniper, je comprends mieux maintenant, où il a alerté. Et maintenant il est plus. Très bien. Ok, ça c'est déjà fait. Dire qu'il n'y en a aucun qui a entendu. Oh, le froid. Ok, un mort. Toi, tu viens voir, c'est bien. Allez, viens.
sortez de la tour gelée. Il ne va sûrement pas être simple à sortir de sa tombe. Ok. Oh. Allez, viens jusqu'ici. Ouf ça. Voilà. Encore un en moins. Il reste plus qu'un veilleur. Rien ne marche pas. Deuxième, il y en a encore un là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de déterrer ici? Forêt. Rien du tout. Ok, c'est bon. Il reste un humain et un veilleur. Un humain, un veilleur et un corrupteur. Et voilà. Allez, viens. Le dernier humain, il est là-bas au bout. Ok. Bon, le corrupteur, il est faible. Au feu. Ok.
corrupteur. Ça risque d'être compliqué. Oups, mauvaise flèche. Je ferai ce que je dois faire. Wow. C'est qu'il est tenace lui en plus. Ça c'est parfait. Bien l'endommager avant de lui assigner le coup critique. Potion. Wow. Oh, je lui ai détruit, c'est pas mal ça. Dégueulasse ça par contre. Ok, donc il n'y a plus que me faire du corps à corps. Il est en feu. Aïe. Tu devrais cramer normalement. Voilà, parfait. Ok. Bah on a bien géré un corrupteur. Enfin bien géré. Plus ou moins bien. Ok là. Et que nous as-tu donné? Modification, ça c'est pas mal. Ok, très bien. Mais je crois que c'est à l'entrée de la fin du créateur qu'on va se quitter pour cet épisode 23. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et le commentaire en bas de la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, bye!